Amis tireurs, bonjour. Nous nous retrouvons une fois de plus sur le terrain pour l'essai d'une nouvelle arme. C'est un pistolet de la firme croate HS Product. Et c'est un micro-compact. C'est vraiment un tout petit pistolet semi-automatique en calibre 9 mm parabellum et qui est apparemment très, très prometteur, très intéressant. Alors, voilà, je vérifie que la chambre est vide, les chargeurs sont vides. Voilà, c'est vraiment un tout petit modèle. C'est un petit peu comme un Glock 26. C'est encore plus petit qu'un Glock 26. Et moi, j'ai commencé à le regarder de près. Il est vraiment très intéressant. On a beaucoup d'imitations de Glock, mais là, ils ont fait peut-être encore mieux. Et ils ont rajouté certaines choses qui sont très intéressantes. Il a déjà une grande capacité, une capacité plus importante encore que le Glock 26. Je crois que le Glock 26, si mes souvenirs sont bons, c'est 10 coups. Alors on peut mettre tous les chargeurs de Glock, donc mettre beaucoup plus de cartouches, mais c'est un pis-aller. Alors que là, on a déjà un chargeur de 11 coups, c'est-à-dire 12 coups si on... 12 coups si on utilise le chargeur à fond plat. Ce qui est déjà pas mal. Et chargeur de 13 coups, donc 13 plus 1, ça fait 14 coups si on utilise le chargeur plus 2 coups et qui procure une meilleure prise en main. Alors, il a autre chose de particulièrement intéressant, c'est qu'il y a la possibilité de fixer un viseur réflexe à point rouge et c'est un micro-viseur. C'est vraiment tout petit. D'ailleurs, on m'en a prêté un. Je vais pouvoir monter ce micro-viseur. C'est un modèle Sentinel de la marque Swamp Fox. Tout petit micro-viseur qui coûte quand même 485 euros. Il y a le prix dessus là. C'est presque le prix de l'arme. Bon, l'arme est un petit peu plus chère, mais c'est un prix quand même assez raisonnable. Mais enfin, avec le chargeur, on va approcher certainement les 1000 euros. Mais c'est intéressant de pouvoir mettre avec le viseur. C'est intéressant de pouvoir mettre ce viseur. Maintenant, on n'est pas obligé, bien sûr. On a des éléments de visée qui sont pas mal du tout. Il y a une hausse, alors avec un cran de mire en U, carrément, vraiment en demi-cercle. Avec une aide à la visée par un liseré blanc. C'est propre, c'est bien fait. Et un guidon. Tous les deux sont dérivables. Un guidon à fibre optique. La fibre optique rouge, on voit très bien le guidon. La prise de visée est pas mal du tout. Il y a une détente qui est exactement comme celle du Glock en fait. C'est vraiment un modèle, c'est un Striker Fired, mais en fait c'est comme la Safe Action du Glock. C'est-à-dire que le percuteur est à, dès l'instant quand on a percuté, la détente est en arrière, le mécanisme est désarmé. Dès l'instant qu'on actionne la culasse, donc si on chambre une cartouche, le mécanisme est armé. Il est en fait à demi-armé, partiellement armé, plus ou moins à moitié. Et quand on appuie sur la détente, donc il y a une course assez longue, on va bander ce ressort, mais c'est assez rapide en fait. Et le départ est bon. Je l'ai mesuré à 2,1 kg à l'extrémité de la queue de détente. 2,5 kg ou 2,6 kg si vraiment on met le doigt au centre. Le départ est très bon. Alors, très bon pour une arme de combat. Ce n'est pas une arme de tir sportif avec un départ à quelques centaines de grammes. Mais c'est tout à fait correct. Tout à fait correct. Bon, le déverrouillage de chargeur, il est réversible comme sur tous les modèles. L'arrêtoir de culasse n'est pas ambidextre. Là, c'est vraiment en principe pour un gaucher, mais enfin un droitier, il peut se débrouiller. Donc, carcasse polymère, tout le reste est en acier. Les chargeurs, alors ils sont un petit peu différents tous les deux. Le démontage du talon n'est pas le même.
Enfin, n'est pas le même, mais c'est la même procédure. En fait, on déverrouille et on le pousse. Ici aussi, il n'y a pas, là, il n'y a pas de plaque de fond. Là, il y a une plaque de fond. Mais le démontage, de toute façon, des deux chargeurs est très, très facile. Le démontage de l'arme est également très facile. Il y a un levier de démontage qu'on va basculer à 90 degrés. Donc, quand la culasse est bloquée en position arrière, on va amener ce levier de démontage vers le haut. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est la première fois que je vois ça. J'ai jamais fait attention, mais je pense que ça n'existait pas sur les autres modèles. C'est qu'en fait, si on n'a pas enlevé le chargeur, on ne peut pas actionner le levier de démontage. Parce qu'il actionne en fait un poussoir qui vient pousser contre le chargeur. S'il y a un chargeur, ça ne fonctionne pas. Donc il faut bien retirer le chargeur pour pouvoir actionner le levier de démontage, donc l'amener à 90 degrés vers le haut. Et puis là, on relâche la culasse et on percute pour la déverrouiller. Donc la carcasse en polymère avec des inserts en acier, exactement comme le Glock, là encore. Les rails sont tout acier. Ça a l'air très, très bien fait, très, très solide. On a un ensemble récupérateur qui se compose de deux ressorts imbriqués, prisonniers d'une tige guide. Alors c'est en acier et en polymère. La tige guide. Donc indémontable et enfin imperdable. Ça peut être démonté, mais il faut le vouloir. Un canon, vraiment tout petit, c'est un canon de 3 pouces. C'est vraiment très très petit, qui ressemble beaucoup au canon du Glock. Et puis une culasse avec une sécurité de percuteur. Et puis ce système donc d'armement. Quand on tire vers l'arrière, en fait, on tire un petit peu le percuteur et puis en même temps ça descend et ça va laisser échapper le percuteur. C'est vraiment très très semblable au Glock. Bon, le remontage est très simple. On met en place le canon, on met en place le ressort récupérateur. Voilà. On glisse la culasse sur la carcasse. On la bloque. Le ressort est quand même assez dur. On la bloque en position arrière et là, on peut ramener le levier de démontage. Et là, c'est terminé. L'arme est prête à fonctionner à nouveau. Il y a un indicateur de chargement, c'est simplement un petit trou de visualisation sur le haut. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais on voit quand même assez bien le culot de la cartouche quand il y a une cartouche chambrée. On le voit aussi d'ailleurs sur le côté parce qu'en fait il y a un petit espace là qui permet également de voir le culot, oui, de la cartouche. Que dire d'autre? Il y a un bon grip. Il y a même des places pour le pouce, si on veut tirer à deux mains, bien qu'il soit vraiment très petit, mais il a quand même, avec ce chargeur-là, il a quand même une très bonne prise en main. Voilà. Maintenant, il va falloir voir quelle est la précision de ce modèle. Avec ce petit microviseur, on va pouvoir vraiment mettre cette précision en exergue. Alors le microviseur, si j'arrive à l'attraper, ce qui n'est pas du tout évident. Voilà. Il a un capuchon de protection en caoutchouc. C'est pas facile du tout de le sortir quand il n'est pas fixé sur l'arme. De le sortir de son capuchon de protection. Voilà, c'est vraiment quelque chose de minuscule.
qu'on va venir fixer par deux vis à la place de la plaque de recouvrement ici. La batterie, la pile se trouve en dessous. Elle est livrée bien sûr avec le microviseur. Il y a aussi l'outil pour le réglage, pour l'installation plutôt, pour l'installation du microviseur. Bon, je reprends parce que j'ai eu une coupure de ma vidéo. J'ai toujours les mêmes problèmes avec ce petit APN. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas les vidéos au-delà d'un certain nombre de minutes. Il s'arrête. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais que c'était la pile, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Donc, je reprends. J'étais en train de dire qu'il y avait l'outil pour l'installation du microviseur. Et donc, ce microviseur, il fonctionne de façon automatique. Il s'arrête tout seul au bout de quelques minutes et il reprend dès l'instant qu'on le bouge. Dès l'instant qu'on le bouge un tout petit peu, il va se rallumer. Donc ça va être très intéressant aussi à essayer. Donc voilà, on va pouvoir passer sur le... Ah oui, et puis j'ai regardé ma vidéo, j'ai vu que j'avais fait une... J'avais dit n'importe quoi tout à l'heure. J'ai dit que l'arrêtoir de culasse n'était pas ambidextre. Et qu'il était pour les gauchers, et que les droitiers pouvaient se débrouiller. Là, c'est évidemment tout le contraire, il est pour les tireurs droitiers, mais les tireurs gauchers peuvent se débrouiller assez bien quand même avec ce genre d'arrêtoir, même s'il n'est pas ambidextre. Voilà, amis tireurs, nous allons maintenant passer sur le terrain pour l'essai de ce pistolet.